Det är ju bara det. Oui. Alors ok, c'est parti, unboxing legit. Bon, en réalité moi j'ai jamais utilisé cet outil là, je ne le connais pas. Je ne connais pas cet engin. Je ne connais pas ce délire. Donc on va voir, on va découvrir ça ensemble. Par contre la forme m'a fait kiffer. On y va. Rubis insert. Rubis insert. Oh! Du coup, ça, je pense, c'est un petit truc pour pouvoir vaper tranquillement, en fait. Pour mettre ta vape sans salir ton délire. C'est un insert en rubis, putain! Ok. Ok, on continue. Bon, je vous le sors des... On sort direct le... Le monstre, il est là, les gars. Le monstre, il est là. C'est le Pocketty. Le Pocketty. T'es magro. Le Pocketty, les refs. L'abeille, mon gars. L'abeille, mon gars. C'est la merde, hein, you know. J'adore, je dis you know et il dit you know en même temps. T'es ma, mon ref. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que vous êtes prêts, les gars? Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Oh, 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 oh. Le Pocketty. Damn. Oh, damn. Oh, oh, damn. Chiii. Je crois que vous avez compris, les gars. Je crois que vous avez compris un petit peu le délire, là. Là, normalement, vous avez bien compris. Là, on est sur une petite dinguerie, un petit bijou. Je pense que ça vous fait penser à quelque chose. Exactement. Le verre à l'intérieur, ça ressemble au Carta. Après, il est beaucoup plus fin, tu vois. Et pareil, t'as l'écran. Putain, dès que tu touches, ça y est. Là, t'as le petit truc avec l'eau. Pareil, le petit bouchon. Vas-y, on va regarder ça, on va ouvrir, on va un petit peu voir ce qu'il y a comme accessoire, regardez. Parfait, le petit accessoire là. En mode pour faire tourner. Je pense que tu le places là ou là. Comme ça. Hop. Trop lourd. Trop lourd. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est bien ça. Et le franchement, l'embout, il est gros comme le 3D XL. Hein. Là, on a vraiment un gros réservoir. Ta-na-na-na. On va retourner sur la playlist, les gars. Score. Yes, Saitazon Bob, bienvenue dans la Green Monji. Big score, big score, big score, big score. Regarde, on est en unboxing là du Pocketty. Incroyable. Avec le petit téton là. Regardez-moi ça. Et je pense que justement, voilà, regardez, on a un petit verre. Et justement, on doit peut-être. C'est ça ou pas? Non, c'est même pas ça. Ça n'a absolument rien à voir.
Ça n'a absolument rien à voir, ce petit truc, ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? À la terre de la pochette, on va avoir petit pinceau comme ça. Bien pratique. Mais attendez. Ah, c'est en métal carrément. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça change. C'est en métal en fait. Alors que normalement, c'est pas en métal ce truc-là. Les petits tétons comme ça, ça t'étonne plus qu'au ou quoi. Tazen Bob, yes, hi, bienvenue dans la Green Team à nouveau, mon frère. On a le petit chargeur. Moi, normalement, j'ai la petite batterie, là, de toute façon. On a bah, le petit accessoire pour accrocher le sac. La sacoche. Le petit manuel. Ah, mais si! Ah, regardez, on dirait le truc du Puffco aussi, hein, ça ressemble... Oh, c'est le même délire, mais non! Des mains, bro! C'est le même bail que le Puffco, les G, c'est pareil à l'intérieur, c'est une dinguerie. Les gars, c'est exactement... Attendez, j'ai mon Puffco à côté, je vous montre. Ouais, je vous montre pas, on va pas faire la promo les deux en même temps. Mais c'est exactement la même chose, les gars. C'est exactement la même chose. Oh, mais même là, c'est exactement la même chose, gros. Frère, c'est la même de la... C'est exactement la même chose, gros. C'est exactement pareil ici, là. C'est une dinguerie, gros. Ok, ça se visse. Mais par contre, j'ai vu un truc. Apparemment, tu peux mettre un... Ça, en fait, je pense qu'il rentre. Mais il rentre en dessous, faut le mettre par en dessous, je crois. Il doit rentrer par là, je crois. Après, on fait une plus grande ouverture. Ok. Ouais, je crois qu'on est censé pouvoir l'enlever, regardez. Tu vois, sur le manuel, là. Ici, là. Tu vois que t'as la pièce. Dry Airball. Quoi? Mais non, mais c'est quoi ce délire, les gars? Attends, j'ai bien compris. Dry Herb. C'est quoi ce délire, les gars? Attends, c'est quoi le délire, là? Je me disais, c'est bizarre. C'est bizarre que ce soit un truc à daber alors qu'il y a un pinceau. Attends, mais ça s'enlève en vrai, ça s'enlève. Putain, on est censé le charger. On est censé le charger avant la première utilisation. Oui, les gars, il est quasiment chargé, c'est bon. C'est bon. Eh, on a trop de la chance, les refs. Il est quasiment chargé, on termine là. Ah, c'est une petite dinguerie. Je sais pas, vous en pensez quoi, les refs. Le Pokéchi. Et apparemment, t'as les... Above the air wall.
En gros, ils ont dit qu'il faut mettre de l'eau juste au-dessus des trous d'air, ok? Fill content include the top chamber peak out the dry air bowl. Out and fill content place the dry air bowl. Back to heater screw. En fait, c'est ce que j'étais en train de faire, les gars. Là, il y a un truc qui se dévisse. C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. En fait, c'est pas pour les extractions. Je pensais que c'était pour les extracts, mais pas du tout. Attends. Pour qu'il y ait encore un peu, là. Merci. Donc, je pensais que c'était pour les extracts, mais pas du tout, les G. Théma. Ok. Oh, la dinguerie, les gars. Donc, là, t'as un petit bol. Et c'est pour ça qu'en fait, là, on a un petit cap en rubis. Je pense que c'est de la meilleure qualité, donc on va tout de suite le changer. Donc je pense qu'il faut pas mettre le produit, faut jamais mettre le produit directement là. Là on échange, tac. Ok. Et en vrai, les gars, moi qui vaporise de ouf, vous savez, hein, ça peut être un vrai délire pour moi. Parce que t'as de l'eau, du coup, ça peut être intéressant. Faut voir un petit peu comment ça se comporte. Ensuite, donc là, on pourra mettre de l'herbe à l'intérieur. Donc ouais, vaut mieux dévisser, mettre l'herbe tranquillement. Et après le revisser au corps. Ok. On va aller mettre un peu d'eau aussi. Et voilà, après c'est parti les gars. Donc t'as différentes températures de chauffe. Le petit pinceau là pour nettoyer à la fin. Putain, je pensais pas que c'était ça, les jeans. Je pensais vraiment que c'était un truc pour les extracts, en fait. Du coup, je suis agréablement surpris, on va dire. Cocodira. C'est un bubbler pour les fleurs. Donc, on va faire quoi? Je vais grinder les fleurs là, on va se mettre 0,3. Voilà. Après, d'abord, on va voir un truc, Teddy, parce que. En réalité, j'ai également d'autres accessoires. Donc, en attendant que ça termine de charger, pardon, je vais vous montrer d'autres petits accessoires. Donc, là, on a rajouté le petit fond en rubis. Yo, 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 yo. Donc, également, on va avoir. Non. Eh mais les refs. Eh les refs, c'est une dinguerie ce truc-là. Là, on a pour. C'est en titane. C'est en titane. Pareil, extraction. Extraction, faut voir comment ça se comporte. Mais normalement, tu vas pouvoir selon les températures. Hein. Voilà, mais ça va être peut-être une chauffe un peu forte. Les haches aussi, tu vas pouvoir. Le hache aussi, tu vas pouvoir. Allen, Inse. Ah, il y a tous les inserts, les gars. Là, c'est encore un autre insert d'une autre matière. Oh là là. Là, il y a deux inserts en quartz. Bah là, voilà, pour les. Voilà. Voilà. T'as ta réponse, mon frérot. Donc là, t'as le premier insert en quartz. Ça va te permettre de faire chauffer directement ton hache. Et Cocody Rasta. Avec le deuxième. Waouh! Regardez.
Magnifique. Magnifique. Ensuite, on a également Pocketty 5D XXL Chamber. Mais quoi? Les refs, il y a aussi une chambre XXL. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là 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 là, mais c'est quoi ce délire, les G là? Oh! 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 Parce que du coup, la chambre là que j'allais utiliser, c'est celle-là. Mais apparemment. Oh! Oh, la taille du bordel, frérot! Oh! Oh là 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 là, frérot! Attends, 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 mais là c'est grave, là c'est grave. T'es mal à taille. Oh shit, bro! Oh là là là. Mais c'est quoi ça? T'es mal à taille du bordel, G! Yeah, cause I got. Mais c'est quoi ce délire, les refs? T'es mal à taille du bordel du monstre là. Oh. Tellement c'est juste aspiration là. Oh la taille du bordel, frère. Oh la taille du bordel, les refs. La taille du monstre. Et pareil, tu mets tes fleurs. Hop, tu mets ça. Tu poses tes fleurs. Ouais, mais c'est pas fait pour être chauffé directement, tu vois. Bon, on va prendre le 3D, nous, direct, les gars. On attaque. On prend directement, ça passe en mode 3D, les refs. Après, le petit, je l'aime bien avec la petite bille et tout, c'est stylé, tu vois. Oh là là. Après, faut faire juste gaffe de pas péter les trucs. Parce que ça, c'est mon talent, moi. Ça, c'est mon talent de ouf, ça. C'est mon talent, mec. On va trop forcer sur un truc. Bah là, comme là, ça s'est coincé, tu vois. Voilà. Ok. And that's why. Yeah. Voilà. Tac. Après, c'est. Bon, après, c'est pas très pratique. Ou c'est moi? Non, ça se met dans l'autre sens, je pense. Pussy too. Another one. Parce que du coup, faut réussir à le. Bah, ouais, faut voir, faut voir. C'est le Pocketty. Oh là là. Mais là, je trouve, moi, le petit, j'ai l'impression, il est un peu mieux, j'ai l'impression, tu vois. Another one. Yeah. Cause I'm. Choup, choup, choubidoua. Mais tu sais, t'as l'impression que c'est comme le Puffco, mais pas forcément. Kalibazou, on y va. Oh! Et ça se lève, ah ouais! Et tu peux l'adapter et tout. Afro man. Is prom.
Non, mais tu vois, tu as mon. Sick insert, c'est quoi ces trucs-là? Mais tu dois pouvoir consommer des extracts, hein. C'est sûr. Oh, fuck. Ah ouais, c'est encore dans une autre matière. C'est incroyable, les gars, tous les inserts. Ils font tous la même taille. Eh ben, on va tester ça tout de suite, les gars. Ça part. Alors, on va déjà grinder la petite weed. Ouais, j'espère qu'il va bien marcher, hein. Mais je roule mon persil. En tout cas, ça part bien, je dirais, tu vois. Tu vois, ils ont des bonnes idées. Faut voir. Il casse à toute la green. Allez, c'est pour lui. Alors, les instructions. Allez, d'abord mettre la weed dans le dans le petit truc. Par contre, le fait de devoir tout dévisser, je sais pas si c'est le plus pratique. Mais je pense qu'on peut, à mon avis, on peut mettre de la. À mon avis, on peut mettre de l'extract. Hein. Je suis vraiment pas sûr, par contre. On va remplir, on va mettre déjà le 0,3. D'où le petit pinceau. Ouais. Je sais pas si ça va être le mieux en réalité là. Ça va chauffer, mais ça va être sans convection en fait. C'est un peu dommage. Oh money. Oh money. Ok, donc du coup maintenant. Serait pas ça, ouais, faut voir, on peut tester à basse température, hein. Après, faudrait que ça chauffe assez, quoi. C'est juste ça le petit truc. Oh, mais les gars, il y a les deux en fait. En fait, tu peux faire ça avec des herbes sèches et avec du concentré. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Tu peux faire ça soit avec des fleurs, justement, en mettant le petit. Parce que j'ai rajouté là. Soit
directement pour faire les extracts. Incroyable. Vas-y, c'est parti, hein. On va commencer. Pour l'allumer, on reste appuyé. Waouh, concentrate. Là, on est en mode concentré. On va passer en mode fleur. 1, 2, 3, 4. Et là, on est passé en mode dry herb. Dry herb. 1, 2, 3, 4. Concentré. 1, 2, 3, 4. Dry herb. Et en plus, je sais pas si vous voyez, il y a même les couleurs et tout, les G. Hein. C'est ouf. Ok. Ensuite, switch de température unit, click the plus and button at the same time. Donc après, en appuyant comme ça, on va régler les températures. Still have it. Voilà. On va se mettre à combien? On va se mettre à peu près comme je me mets sur le Puffco, hein. Sur le Venti. On va directement se mettre en mode boost. Histoire d'avoir une belle expérience quand même, ce serait pas mal. Ah, faut qu'on teste ça. Et en plus, tu peux faire les extracts avec, donc ça peut être pas mal, ouais. Hold the power button down, 10 clics. En gros, tu peux modifier ça aussi. Voilà, pour la luminosité. Apparemment, quand tu appuies là, en même temps, tu appuies sur l'autre. Tu peux augmenter. Ok, ça c'est pas mal. 4 fois pour changer de mode. Switch température unit en cliquant. Ok. Heat setting, clic plus ou moins button to increase or degrade setting température, ok. Place carb cap on the top of the chamber. Press down until snug, until. Ok. Initiate heat, c'est 2 fois. Et donc pour lancer la chaleur, on a pour lancer la chauffe, pardon. On va appuyer 2 fois. 1, 2. Et c'est parti. Ça parle Edgy. On va attendre. Donc là, j'ai mis en mode boost. Hein. Donc pour les fleurs, faut voir si c'est intéressant. Et on va regarder après pour les extracts. Hein. Donc là, c'est censé être prêt. On y va. Bon là, ça va pas forcément. Il n'y a pas le carb cap. C'est un peu dommage. Je pense qu'il faut attendre un petit peu. Pour le moment, c'est très très doux, les gars. On va bien attendre même, hein. On sent que ça commence à chauffer. C'est un peu spécial, hein. Non, ça va, citron. Mais il n'y a pas de vapeur, malheureusement.
Après, ça commence, je pense, faut attendre un petit peu, hein. C'est ça. Par contre, il commence à y avoir des terpes. Il commence à y avoir du goût. Ouais, à mon avis, ça risque de prendre un petit peu de temps pour chauffer. Après, on est full batterie, donc il n'y a pas de problème. Par contre, il y a du goût, hein. Ça, c'est sûr. Il vient de se rendre compte qu'il a perdu 200 balles. Ah, Buildax, l'enfoiré. 300, on rentre en combustion, là. Non, on n'est pas à 300, les gars. On est à 210, c'est la limite. Par contre, on a du terps, les gars. On a du goût, hein. Ouais. Ça vibre. Fin de session. Ah putain, mais regardez, il y a des pré-réglages. Bleu, vert, rouge et blanc. Pourquoi il y a deux fois 210? Je crois que j'ai nickelé un réglage, je crois. 180, là il devait être à 190 ici. Même à 100, ouais, 185. Voilà, 210, 230. Tryhard. J'essaie d'aller pousser un peu plus les températures, les gars. Bah, je pense qu'il doit y avoir un décalage entre la température donnée et la température réelle. Tu vois? Vu qu'on va chauffer que le bas du bol, il faut que ça chauffe tout. Ouais, franchement, c'est pas top sur les fleurs. On a un peu de goût, tu vois, mais c'est très léger. Je peux voir en plus l'intérieur là. On voit que ça commence, mais bon. Ha Buildax. Ouais, non, du coup, c'est pas satisfaisant sur les fleurs, les gars. Température max, je sais pas. Mais là, la température max de base, c'est ça, c'est 230. Et là, voilà. C'est pas le top. On voit les fleurs qui commencent un petit peu à chauffer, tu vois, mais. Peut-être que je tire vraiment trop fort, les gars. Par contre, on a du terps. On a vraiment du goût, hein. Ça commence un peu, tu vois. Ouais, bon, c'est un peu dommage.
Two step backwards. C'est un petit peu dommage, les G. Ouais, même pas si t'as c'est que ça, frérot, non. Franchement, c'est. Ça va. C'est ça qui est un petit peu dommage, quoi. Tu vois, là, c'est. Hop. J'essaie d'aérer un petit coup, mais. Par contre, ouais, je sens, les effets, ils sont là. Hein. Franchement. Ouais, on peut se faire un test avec déconcentré, si vous voulez, les gars. On va se faire un test avec déconcentré. Après, il faut juste laisser refroidir un tout petit peu. Mais c'est intelligent le fait qu'on puisse ouvrir comme ça la douille. Par contre, ouais, quand c'est chaud, on va essayer avec l'autre, de toute façon. Mais je sais pas si on peut mettre directement du concentré là parce que ça m'a pas l'air, hein, vraiment. De toute façon, j'ai mis le vert, je pense. Le truc en quartz. Je crois qu'il faut toujours mettre un truc et tant que ça chauffe, ça prend pas mal de temps. Ouais, bah ouais, frère. Vas-y, on fait un mini test, mais j'ai pas envie de mettre trop de rosine dans le vent là-dedans, tu vois. Frérot, c'est super chaud, Buldax. Je suis un kisto, mon gars. Non, c'est super chaud, frère. C'est énormément chaud, c'est bouillant, frère. On va faire un mini test. OG couche and. Ouais. Par contre, je sens que ça m'a fait effet, les gars, les fleurs. Hein. C'est très terpe. On est dans des températures basses, peut-être, mais. Sauvetage de la fleur. Donc là, avec le petit fond. Donc après, je pense que t'as pas forcément besoin de l'enlever tout le temps. En tout cas, j'espère. Allez, normalement c'est bon. Mode concentré. Donc t'as bleu, vert, rouge. On va se mettre en mode green. On en met deux. Par contre, ça m'a l'air d'être un peu mieux là. C'est parti. Score.
Là, ça fonctionne, tu vois. Franchement, sur le modèle du PUFCO, il est terrible. Très propre. Ah, c'est terrible, les gars. C'est parti. Ça faudrait que je voie, par contre, comment... Si c'est comme ça... Non, pour les concentrer, le maximum, il y a plus. Là, j'ai pas fait le max pour les concentrer. J'ai pas voulu faire le max. J'ai fait la deuxième température, médiane. Franchement, pour les extracts, les gars, terrible. Avec le petit téton là, nickel. On va nettoyer ça. En plus, je pense que ça se nettoie assez facilement également. Tu nettoies juste le petit verre. Non, franchement, c'est malin. Hein. Au moins, ça reste propre. Là, j'ai mis du quartz, mais il y a d'autres trucs après. Je pense pour de l'isolator, pareil, vous allez pouvoir smoker ça tranquillement. Ouais, la weed, j'ai fait plus. C'est ouais. Franchement, terrible, les gars. Exactement, nouveau bubbler. Moi, ce sera plus beaucoup plus pour. Bah, pour les extracts, hein, que pour les fleurs, hein, je pense. Hein. Sur les fleurs, je suis pas encore convaincu. Il faudra faire un essai. Et je pense que là, je vais changer aussi les embouts. Come from. Mais c'est bien tenté quand même, tu vois. Mais changer cet embout-là. Le mettre là. Je sais pas si c'est... Ah non, on peut pas. On peut pas. Ça, c'est un peu dommage, ça, par contre. Parce que du coup, le 3D. Il rentre pas ou quoi déjà? En gros, le 3D. Elle est pas fait. C'est pas fait pour être fermé. Le 3D, il est un peu bizarre, je trouve. C'est un peu différent. Tu vois? Attends, mais s'il manque des pièces, ça va pas le faire. Keep going, my nigga. Keep going, my nigga. Go. Voilà, donc là, une fois que c'est comme ça, avec l'étage en plus, ouais, ça donne ça. Hein. Franchement, pas mal. Sympathique. Ça envoie des belles claques. Nouveau vapeau débloqué.
Je vais voir, je me fais du bleu comme ça pour voir. Et on se refait une chauffe à la température la plus basse. Parce qu'en vrai, le petit fait déjà la taille. Non, franchement, c'est incroyable, les gars. Franchement, terrible. Franchement, top celui-là. Après, je crois qu'il y a un temps de chauffe un petit peu limité, mais malgré tout, c'est terrible, les tirs. Est bien en fait, ce qui va être bien avec le verre en quartz, donc faudra bien que je le mette. Bah là, j'ai mis celui en quartz, pas celui en rubis. Normalement, ça tient super bien la chaleur, donc même quand il est éteint, il va te rester un petit moment encore pour vaporiser. Incroyable. Relance encore une petite chauffe. Le Pocketti. Bien joué, mon frérot. Le fameux Pocketti XXL. Mais t'as vu, sur le XXL, ils remettent. Ah non, ça c'est le normal, c'est ça que j'ai. Et tu vois, ils mettent de l'extraction dedans. Ah, par contre, ils donnent chaud. Tes matchs, tu peux modifier et tout. Putain, mais en fait, ça, le truc 5D, c'est que t'as même pas besoin de bouger, ça fait tout seul. Je suis mort, les gars. Oh, je suis mort. J'ai pris une frappe avec la rosine. Ah ouais, frérot. Les inserts. Attends, 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 attends. Quoi? Le diamant, il est à 300, mais je crois que je... Avant que je fasse des conneries, que je casse des trucs à je sais pas combien. Les gars.
Donc t'as déjà tous les inserts. Titanium, on l'a. JCA Supreme AN, celui-là, on l'a. Insert for Pro and Pocketty. Putain, c'est pour l'atomiseur du Pic Pro, mais attends, mais quoi? Quoi? Non, mais c'est bon, hop, ça marche, ça. J'ai badé. J'ai badé. Je pense que j'ai badé. Attends, c'est les mêmes? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, les gars. Attendez, je pense pas que ça va. Les gars, dites-moi pas que c'est les mêmes atomiseurs. Dites-moi pas que c'est les mêmes. Ah, j'ai l'impression, gros. J'ai l'impression qu'ils s'adaptent au PUFCO. Je vais coller. Si c'est vraiment le cas, je vais coller parce que ça veut dire que je vais avoir deux trucs avec des chambres XL. Oh shit, gros. Attends, on va tester, on teste. On teste, mec. Putain, mais c'est où? What the fuck, bro? Oh, si ça marche, c'est abusé, gros. Bah, c'est parti, on teste, hein. Ah, ça m'a pas l'air d'être exactement la même pièce, hein. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Qu'est-ce qu'il est. Qu'est-ce qui est. Attends, 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 attends. Il se passe quoi là, les frérots là? Attends, 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 attends. Attends, juste 2 secondes, je vais juste mettre. Je vais reprendre celui-là du quartz, je vais reprendre un. Voilà, comme ça. Tu vois, comme ça, ça. Comme ça, ton truc qui reste propre. Non, mais frérot aussi. Mais je crois qu'il m'avait. Va. C'est vaguement ce qu'il m'a dit, en fait, Raphaël. J'en étais pas sûr. Et en plus, avec l'entrée d'air 5D, apparemment, tu vois. L'entrée d'air 5D, t'as même pas besoin de bouger. Putain, vous êtes des ouf, les G. On va tenter, on va tenter. On va tenter tout de suite. Mais les gars, ils sont sérieux là? Ils sont vraiment sérieux, les refs. Bon, j'avais. Mais les gars, ça marche! Ah d'ailleurs le truc était bouché, peut-être que c'est le truc qui était bouché tout à l'heure.
Oh, c'est des malades et ça se détend. Voilà! Oh les gars, il y a tout qui est modifiable et tout. C'est une dinguerie, mec. C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie, les refs. C'est une dinguerie, en fait. C'est une dinguerie, cette marque. Score, Théma. Théma, le score, dit. Et là, on revient en mode comme ça. En mode 3D. Tu relances. Oh là là, le score, les G, le score. Validé de ouf, les G, hein. Putain, mais je savais pas, les gars. Ça se plug au Puffco et tout, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Dinguerie, les gars. Franchement, dinguerie. C'est dire que l'inverse marche aussi, je pense, hein. Mais franchement, c'est une dinguerie. Oh là 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 là. Oh, franchement, ouais. Belle surprise. Et là, tu vois, t'as encore énormément de trucs. Vu que c'est en quartz, tu relances ça. Bah, du coup, ça fait que j'ai 2 3DXL maintenant. Quasiment, hein, ça se ressemble de fou, hein. J'ai juste à mettre, je pense, le truc de Puffco. Et on y voit que du feu, gros. Franchement, terrible, les gars. Validé de ouf. Validé de ouf. Incroyable. Incroyable. Je m'attendais vraiment pas à ça. Chiii. Et je pense que même peut-être que tout à l'heure pour les fleurs, c'est de ma faute, hein. Le truc était bouché. Faudra qu'on se refasse un essai avec des fleurs. Waouh. Terrible. Terrible. On va nettoyer ça aussi. On va juste nettoyer ça rapidement, les G. C'est une dinguerie, les refs. C'est une dinguerie. Et en plus, j'hésitais justement à me racheter un 3DXL, tu vois. Et en réalité, exceptionnel. Bah voilà, les gars. Là, vous avez un petit peu toutes les possibilités possibles. Des possibilités qui vous sont offertes, pardon, par ce jeune produit. Ça, c'est ouf, ça. Avec le petit embout qui se rajoute. Je pense que même ça doit être. Ouais, mais il y a tout qui s'enlève. Oh, les gars, il y a tout qui s'enlève dans ce truc-là. Tout est modifiable. Tu vois, même cette pièce-là, tu peux la modifier. Oh là là. Parce que moi, en plus, de toute façon, je crois que j'ai un. Je sais pas si je l'ai là, mais normalement j'ai un canard. Il est où? Il est là. Ça fait un moment que j'ai pas trouvé de. Sais pas si c'est bon. Non, c'est pas forcément bon. Ça, c'est un vrai.
Potentiellement, ça pourrait le faire, hein, avec le petit canard. Lady, je pense qu'on se regardera la vidéo demain. C'est tout pour ce soir, les frérots. Bien évidemment, n'oubliez pas, on se met nice comme d'habitude. La vaporisation, c'est la clé, les frérots. Yes! Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci à tous d'avoir répondu présent. Ce fut un plaisir de vous présenter le Pocketty, disponible chez la Centrale Vapeur. Ouais, mon gars, on est bien, les frérots. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, n'oubliez surtout pas, on fait ça comme à la West. La vaporisation, c'est la clé. Big score! GG, tu peux envoyer, mon gars. Yes!